C'est Godef, et aujourd'hui on se retrouve sur Craftasia pour le second épisode de la présentation du serveur, ville par ville ou projet par projet, enfin bref, ça dépend. Alors on est à Toléwa, donc c'était le deuxième. En fait, je vais faire ça dans l'ordre des TP. Donc je suppose que c'est la deuxième ville qui est arrivée, mais je suis pas sûr du tout. Mais bon, voilà, moi je fais ça dans l'ordre des TP. On est passé en 1.9, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps, machin. Enfin bref, là on est en 1.9. Vous voyez, mon bouclier par exemple, je le mets pas parce que pour manger c'est galère si j'ai besoin de bouffe. Donc Toléwa, c'est une ville, comment dire, pleine de nature. Et si je regarde un peu en l'air, hop, on peut voir, voilà, c'est vraiment en fait des arbres partout, et c'est même un gros arbre. Où il est le gros arbre? Il est là, le gros arbre. Il est là, on le verra de plus loin tout à l'heure. Là, je vais vous montrer un peu. Voilà, vous entrez dans la ville, donc en fait, c'est la ville qui est dans l'arbre. Après le tour, bah, c'est la banlieue, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Voilà, plan de Toléwa, bah, ça peut être intéressant. Hop, bah voilà, bah, maintenant que je suis devant, autant vous le faire. Ah, je voulais le faire un peu plus tard, le CM et tout, mais bon. Donc là, on peut voir vite fait les petits trucs, mais ça on s'en fiche. On va le voir au fur et à mesure qu'on va se balader. Donc, le maire Touffe 89, avec en maire adjoint Dark Vaudou. Et donc, dans le conseil municipal, donc le CM, on a Héraclus, Big Dragon. C'est bien parce qu'il y a des gens qui sont marqués là, qui sont pas dans ma liste que j'ai pris il y a 2 secondes avec le slash ici. Moi, sur le slash ici, j'ai Bemido, Spiroswat, Mainetti, Héraclus, Big Dragon, Rémi Loïc, Vezeroz et Dark Vaudou. Qui a tout et tout vu bien sûr. Mais du coup là, il y en a, à mon avis, ça a pas dû être mis à jour ce truc. Bref, pas grave. On va se balader un peu et je vous parlerai du coup aussi de la dernière île qui est sortie il y a peu de temps, Aqualagonde. Aqualagonde, voilà ça. Pourquoi j'ai peur de me tromper sur le nom. Vous voyez que c'est vraiment énorme, on est dans un gros arbre. Hein. Le gros arbre. Il y a marqué quoi là? Personne ne voit le trou car il va bientôt disparaître. D'accord, merci. Hop. Ah là là, c'est grand, hein. Vraiment c'est grand. Pour monter tout là-haut, c'est une galère. Hop, 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 en plus je suis en mode cinématique. Du coup, pour tourner. Voilà. Donc fonctionnement, information, machin. Donc là, je suppose que c'est un, voilà, c'est un casino. Donc comment ça marche? Le casino est fermé sauf en cas d'event à cause d'un bug au niveau des hoppers présents dans la version antérieure à la 1.8.3. Ça, c'est triste. Je me suis dit, ouais, on va pouvoir jouer. J'ai envie de faire comme ça. Je vous montre un peu parce que j'avais jamais vu qu'il y avait un casino en fait ici. Mais bon. Pour votre CP, on voit. J'ai cru que c'était envoie tout. Genre 89. Durant l'event. Donc, ça c'est pour le casino. Ok, d'accord. Donc, je découvre un peu en même temps que vous. Hein, parce qu'il y a certaines villes que j'ai pas trop visitées. Comme Toléwa par exemple. Lire les règles avant de jouer. Mais oui, effectivement, ça peut être une bonne chose. Le Gwynjack. Face à face, accroupi, comment jouer? Envoyer une mise comprise entre 50 et 1500 Z. Croupier. Un dé allant de 1 à 1, appuyant sur. Ok, d'accord. C'est un jeu d'argent, c'est pas bien. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah, je savais pas qu'il y en avait un ici, mais ils ont ici une machine à casino ici. Je viens de récolter de l'XP ou un truc dans le genre parce que ça fait un bruit chelou. Là, je vous montre rapidement. Après, on ira voir les petites. Enfin, l'Aqualagonde, surtout vu que c'est la dernière qui vient d'ouvrir. Après, bah, bien sûr, comme d'habitude, il y a le lien de parrainage. Je l'ai peut-être oublié sur l'autre vidéo, je l'enregistrerai. Mon lien de parrainage, si vous voulez l'utiliser, ça vous apporte des avantages et à moi aussi. Donc, qui est cool pour vous inscrire. Hein. Donc, avant de vous inscrire, vous utilisez mon lien si vous le souhaitez. Donc, ici, petit, je crois que c'est le petit jardin détente, un truc comme ça. J'ai cru voir ça tout à l'heure, étage 2, jardin détente. Bon, c'est sympathique. Ça fait un peu vide pour le coup, mais on va voir ce qu'il y a là. Ah, bah, on a une belle vue là. Parce qu'avec le shader, ça galère un peu à charger. On a une belle vue. Bon, on va monter. En courant. Allez, hop. Hop, hop. Encore quelques étages. Je sais pas, il y en a combien. 3 ou 4, je pense.
Quand on regarde, les étages sont super hauts. Hop, on arrive à l'étage 3. Mais il y a un quatrième étage ou avant que ça soit genre. Bienvenue aux Svet, comité de vente aux enchères. D'accord. Si c'est vente aux enchères, il y a quoi là-haut? Ah non, il y a encore un étage. Vous irez voir. Hein. Le but, c'est pas que je vous montre tout, parce que sinon, ça sert à rien que vous veniez voir, si ça vous intéresse pas. Le but, c'est que vous veniez, même si ça vous intéresse pas, comme ça, vous verrez. De toute façon, il y a des succès qui dit. Un succès qui dit, genre, visiter la totalité de telle ville. Je sais pas si on en a dans chaque ville, mais. Ah bah voilà, là, on est au bout. Ah bah, je vais virer le mode cinématique, ouais, c'est plus agréable. Hop, cascade. Ça, c'est le shader, ce qui les fait bouger comme ça, les panneaux. Hop. C'est assez bizarre. Ça lag un peu, hein. Ça c'est shader, c'est tout le bazar. Mais bon, ça va, c'est pas non plus la mort. Il y a pire. Là, je suppose qu'il y a des petites habitations. Je sais pas, JTM, TLM. Avec mon slash tollé, je retourne au début et je vais vous montrer à quoi la gonde. Avec le Splack, qui est un nouveau jeu, je n'en ai jamais fait, il faudrait que j'en fasse un, parce qu'il y a un succès, c'est genre participer au Splack. Mais du coup, je sais absolument pas à quoi ça ressemble, ce que c'est. J'en sais rien du tout, c'est quoi? Je crois que c'est un mélange de spliff et de. Et de je sais plus quoi. De spliff et de. Je sais plus. Donc là, on a à quoi la gonde. À quoi gonde? Je. À quoi la. À. À quoi la gronde? C'est ça. À quoi la gronde? Je vais y arriver. C'est le dernier truc qui a été ouvert sur l'île. Il y a des petits succès à faire. Non, bon, il y en a un. Je m'énerve d'ailleurs. Hein. Alors, hop, si je vous montre un peu, on va se balader. Voilà. On va se balader, on va se balader. On va se fail aussi. C'est ultra risqué ce que je veux faire. Ok. Je. Voilà. Hein, d'accord. On n'a rien vu. Il s'est rien passé. La la la. Ah, toutes les îles sont terraformées en survie, hein. Je tiens à le préciser. Sauf pour certains trucs genre vraiment hardcore, mais celle-là, il me semble que je l'ai. Un moment était passé, c'était en travaux. Oui. C'était en train d'être terraformé. Oh, par contre, je vais faire pas de manger. Je viens de voir là, mais. Hop. C'est bon, je suis déjà full. Soyez. Swag, j'essaie de trouver la berge par où on pourrait passer pour avoir un accès simple. Là, ça devrait être bon. Un cochon! Prochainement à vendre. Donc là, ça va être des futures maisons à vendre, apparemment. Donc là, on a un joli bateau de. Oh, trois jolis bateaux qui vont apparaître. Même pas. Mais je l'avais pas vu ça la dernière fois. C'est en construction, ça, à mon avis. Prochainement à vendre. Ah, des bateaux à vendre. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est encore en construction. Généralement, quand il y a des coffres comme ça à côté, c'est que c'est encore en construction. Voyons voir. Là, là, là. Hop, trou dans le sol. Ça part bien. Parce qu'à force de courir comme ça, je perds vachement de bouffe en fait. On s'en rend pas compte, mais. Ah voilà, on tombe sur un truc un peu plus normal, on va pouvoir prendre la terre facilement. Prendre la terre, hein. Enfin marcher sur les chemins quoi. Prévu à cet effet. Qui est cet homme? Forgeron, Frodon, d'accord. Vive l'originalité. Logarding. Là-bas, on a Dark Vaudou et qui fait quoi? J'aurais pas. Hordé. C'est hordé. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ce sont des PNJ, hein, bien évidemment. Là là, oh, c'est sympa. Petit accès comme ça, sous la montagne. Et gigi. Donc, ça c'était pour. En fait, mais c'est bizarre parce que. Il me semblait qu'à quoi les gonds, c'était ça. C'était en même temps que le 500 000 que le plaque. Mais on est juste pas du bon côté de l'île. Je galère! Ça fait déjà 10 minutes que je galère.
Non, peut-être pas bien. La la la. Non, c'est bon, on est pas au bon endroit. Hop. C'est quoi ça? Ah oui, je sais ce que c'est. Du coup, j'essaie de voir si je peux vous montrer des trucs un peu swag. On est où là? Ah voilà, c'est ça que je cherchais plus tard, ce pic là. On a une belle vue, on a plutôt une belle vue. Je regardais juste un petit truc du thé. Donc là c'est le bateau où on était tout à l'heure, où c'est en construction, ou il y en a d'autres, on est sans un autre. Il était là-bas, je sais plus. Bon bref, ça c'était Aqualagrande. Aqualagrande, oui, Aqualagrande, je sais jamais. Mais c'est sympathique tout ça. Franchement, avec un shader, ça rend super beau. Oh, on a découvert un panneau secret. Du coup, on va peut-être retourner au. C'était juste pour Aqualagon. Bah, je vais vous montrer un peu les quartiers commerçants. Oh, la taverne, je pense pas que ce soit une. Là, donc, on a des shops souterrains. Enfin, un peu souterrains, quoi. Il serait peut-être temps. Hein. Et on est combien là? Oh, mais ça fait une semaine. Ça va être cut tout ça. Le pauvre. Ça fait une semaine pile aujourd'hui. Je découvre des choses. Ah, c'est un peu le bazar. Je me. What? Agrandissement des shops. Ah, ok, ils ont fait un agrandissement. Je me perds toujours là-dedans. Jack, qui vend des jolis posters. Sir Antoine, il nous vend des bannières. Avec mon pack de textures, c'est pas du tout pareil qu'en vrai. Hein. Mais bon. Ah, oh, sympa. Hein. Il y a des trucs sympas. Ah, mais là je viens de faire un tour là. Je veux sortir. Il me semble qu'il y a une sortie d'un autre côté. Genre si je vais au bout là. Il se passe quoi? J'aurais pas envie de sortir par là, un truc comme ça. Ah voilà. Littoral côté plage et ses shops. Genre les shops. Shop sur la plage, voilà, c'est ça. Là, il y a encore une autre zone de shop avec des petits shops sur la plage, c'est sympathique. Sympathique. Le phare de Toliwa. Le petit phare, enfin, le petit phare. Ouais. C'est grand quand même. il faut que je mange. À qui appartient ce shop? Roi de pique, d'accord. Vous êtes l'heureux gagnant de absolument rien du tout, Loulou. Ouais, d'accord, Loulou. Il faut peut-être te réveiller là. Bonne année, c'est un peu passé. On est en avril. Attends, mais ça, c'est des gens. Genre. Bruh. Qui est cet homme riche qui a tant de choses à vendre? À qui appartient ce shop? À qui est-il? Et là, si vous savez pas, par exemple, vous faites clash ici et vous regardez. Voilà. Vous avez la réponse. Petite technique. Oh, je suis en délinquant, je suis passé au-dessus de la barrière. Ah, j'avais jamais vu ce petit champ. Je découvre des choses en même temps que vous, hein. Qu'on soit clair. Ah oui, du coup, je voulais vous montrer l'arbre un peu de plus loin. Va faire un petit slash toley. Vers montagne sacrée, vers ce plaque. Non, moi je vais aller vers. Je sais où je veux aller. Bah, j'ai pris un coup. Non. Là, on est sous l'eau, là. Enfin, sous l'eau. Lac Ménéria, petite arbre. Voilà, moi c'est là où je veux aller. Je veux sortir. Ouais, nickel. Voilà, c'était là où je voulais aller. Là, c'est notre zone de shop et d'habitation, je crois. Shop habitation. Attendez, on va monter là-dessus. On doit pouvoir voir l'arbre de plus d'un petit peu plus loin. Ce drapeau est carrément moche, par contre. Enfin, il est pas. Je sais pas. Ok, donc là, l'arbre est devant nous. Hein. Vous le voyez, mais il y a un petit problème de chargement. Ah, attendez. Tout le monde se rapprocher.
Voilà, faut qu'il charge en fait. C'est bien là le problème. Et moi je jette des underpearls à l'aveugle. What? What the fuck? Hop. Voilà, il a chargé. Enfin, pas entièrement, mais bon. Shader, c'est tout, c'est un peu la merde. Bon, en gros, vous voyez, il est vraiment énorme. Je pense qu'on va se laisser sur. Sur cet arbre là-bas, si j'arrive à l'atteindre. Oh, joli. Joli, joli. Bon, vous voyez que sans le shader, avec un meilleur chargement, ce sera quand même plus joli. On va aller regarder la mer plutôt, si elle veut bien charger aussi. Ah, ben voilà, ça charge déjà un peu mieux. Vous voyez ici, il y a des petits shops, des petites habitations et tout. Bon, bah voilà. Du coup, la présentation de Toléroi est finie. Je vous ai pas tout montré, loin de là, et c'est fait exprès, c'est pour que vous veniez voir par vous-même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. À utiliser mon lien de parrainage pour vous inscrire si vous le souhaitez. Il est dans la description, machin, vous cliquez, hop. Et comme ça, je vous parraine et vous avez des avantages, et moi aussi. Et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Pa 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 p